Les femmes qui croient aujourd'hui, ils font comme ça sa vie, ils font comme ça sa vie, ils tournent sa vie. Oh, vous êtes pressé, vous faites comme ça. Et vous êtes pressé. À peine tu arrives à. Si tu as encore, tu arrives là-bas, voilà, tu as 3 ou 4 ans, tu es bloqué. Tu es bloqué. Et quand tu vas voir les grands yeux, oui, le type qui passe dans la voiture, on a fait même place. On a fait même place. Il faut avoir le même destin. Donc quand le petit poil pousse quelque part, et puis le petit qui se lève là, il faut dire qu'il n'a pas se calmer. Demain est mieux qu'aujourd'hui. Attends, mes chéris, bleu blanc, ça donne du tourné, ça donne le vertige quand on fait bleu blanc. On tourne la petite fête à craquer. Mademoiselle, vous n'êtes pas encore mademoiselle, hein? Non, hein? Vous êtes loin de là. Femmes que nous on cherche aujourd'hui, les garçons cherchent aujourd'hui. C'est pas femme qui ne peut pas avoir pommade pour payer sa pommade. C'est pas femme qui ne peut pas payer son propre caleçon. Femme qui ne peut pas payer ses propres. C'est pas femme là qu'on cherche. Hein? Vous avez compris? Ceux qui vous disent, je vous aime, ils vous blaguent. Parce que vous êtes encore innocent. Parce que vous êtes encore jeune. Vous ne connaissez même pas encore la vie. Il vous donne petit 500 francs. À cause de 500 francs, il va gâter ton devenir, ton destin. 500 francs. Attention, hein. Même s'il n'y a pas papa derrière vous, même s'il n'y a pas maman derrière vous, vous dites faites attention. À vous-même, là, de savoir tout ce qu'on vous raconte, c'est faux. Votre premier mari aujourd'hui, c'est jeune fille. Premier mari, papi. C'est compris? Oui. Les jeunes garçons, on s'est parlé, non? Est-ce que je suis sûr d'avoir quelqu'un que je vais primer pour le BPC ici? C'est sûr? Il y a un qui fait les 15 moyens déjà en troisième. Il y a même. Il y a un qui a 15 moyens en classe. 14 moyens. 14 moyens, c'est qui? Il n'est pas là? 15. Ça, c'est combien? 14. Et toi? 14. Et tu es dans quelle matière? Tu es bien dans quelle matière? Maths physique. Et tu veux devenir quoi? Politicien. Hein? Ingénieur. Et toi? Professeur de physique, n'est-ce pas? Ensuite, 13 moyennes. Il y en a ici? Oui. Tu veux devenir quoi? Policier. Ah, c'est Django, le Django de la merde. Ensuite, oui. Ingénieur de construction. Ok, ingénieur de TP. Ok. Architecte. Docteur. Vous regardez les jolies femmes. Oui. Docteur aussi. Professeur de maths, c'est beau ça. Docteur. Et toi là-bas? Espagnol. Monsieur pilote. Pilote! Tout ça pour vous dire que il faudrait que vos désirs soient conformes à votre production de base. On ne veut pas pilote par hasard, hein? Non. On ne veut pas professeur de mathématiques par hasard, hein? Ni professeur de philosophie par hasard. On ne veut pas éducateur par hasard. On ne veut pas professeur par hasard. Ça s'apprend dès les classes que vous êtes en train de fréquenter. Vous se comprendre. Il y a un inspecteur de notation qui est là, je crois. C'est lui à votre disposition, il est là à votre disposition. Vous avez un petit problème, vous avez un petit souci. Vous voulez savoir ce que demain vous réserve. Venez le voir. En plus du principal et de ses assesseurs. C'est pour ça qu'on parle d'administration proche des élèves. Donc, au niveau des jeunes filles, si j'entends qu'il y a une qui fait de la. Qui drip comme ça, là. Vous-même, vous formez vos petits comités là, à taper là. Vraiment, vous pouvez dire, tu sais, le Dieu Père de Dieu, il est comme nous là, pour moi là, il faut faire attention. Parce que quand il tourne comme ça, c'est pour toi-même qu'il dit ça. Pour lui, il est déjà assuré, j'ai mon petit pain, n'est-ce pas? Directeur général, c'est pas comme ça, hein? Ça sera ma part quelque part, hein? Mais je suis avec vous, non? Parce que l'école, c'est par là que nous faisons la formation. Et c'est là que vous commencez. Pour devenir quelqu'un, pour devenir grand type.
te dis bonne femme, c'est là qu'on a commencé. N'est-ce pas, ma fille? Vous êtes mes filles, vous n'êtes pas mes femmes, vous êtes mes filles, mes petites filles. Si quelqu'un vous tarde, si même au niveau des professeurs éducateurs, rien que je suis votre fille, pardon, papa est venu dire que je suis votre fille. Le plus dangereux, même, c'est vos camarades de classe. Non, 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 on est collègues, on est camarades. Toi, tu peux me faire quoi pour moi? Tu peux payer mon caleçon? Non. Donc, on n'a pas laissé ça. On s'est compris? On s'est compris? Et donc, faisons en sorte que la production qu'on va faire au BFC, c'est la salle de production propre. Propre! Pas de tricherie, pas de ceci, pas de cela, de sorte qu'on ne soit pas obligé de convoquer tout le temps votre principal. Tout le temps, il est convoqué bien. Il paraît qu'on a triché chez toi. Comment tu as fait? Comment ça s'est produit? Qui a triché? Pourquoi il a triché? Comment il a triché? Comment le voyage a déjà fait? Est-ce qu'il a le temps de vous parler? Bref, je suis venu en plusieurs mots, comme un seul mot, vous dire que vous êtes des gens, vous êtes des élèves déjà matures, vous êtes nuls. Si j'étais des mangles, on mange comme ça. Quand vous arrivez à cet état, vous faites beaucoup attention à tout ce qui vous arrive. On se comprend? Il faut pouvoir analyser tout ce qui arrive. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est mauvais ce que je fais? Si ce n'est pas bien, pourquoi je le fais? Ou si ce n'est pas bien, pourquoi je suis mes camarades? Le plus facile, c'est de sortir à crier. Ça, c'est le plus facile, ça. Oh, 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 oh. Il y a des chiens. Les chiens voient la nuit, non? Demandez à un des chiens, là, pourquoi il la voit? Est-ce que c'est ça? Donc ne vous laissez pas embobiner par un fou qui est en train de siffler. Le type il siffle, il n'est même pas ici. Il siffle, non, on a sifflé dans votre. Est-ce que vous avez dit de sortir? Lui il siffle parce qu'il est devenu dingue, parce qu'il a pris un peu de chapalot, il a pris un peu de bali. Il n'a pas dit à la troisième heure de sortir, il n'a pas dit à la cinquième six de le suivre. Non, il siffle. Il faut le rendre ridicule, de sorte que son siffle, il ne sait pas lui remettre sa jette sa bourse. C'est là que vous aurez gagné. C'est là que l'école aura gagné. C'est là que la Côte d'Ivoire aura gagné. C'est là que vos anciens qui sont ici là vont vous encadrer avec beaucoup de joie. Vive l'école, vive Gadoua. Merci beaucoup.